Évidemment, partie 5. On captait quelque chose là il y a 2 secondes. Ah voilà. Partie 5 hein, qui démarre sur les chapeaux de roue. Encore une magnifique journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où il faisait mauvais temps. Il fait toujours le temps parfait. Encore une magnifique journée. Oui, oui. On est au courant qu'à chaque fois qu'on capte quelque chose, ça nous le répète infiniment jusqu'à ce qu'on devienne dingue. Ok, donc on est ressorti hein, de ce petit périple. On a enfin abouti à la zone de l'hôtel de ville. Et donc on doit se rendre ici, où il y a le point de résonance. Donc que je fasse pas de bêtises, hein. On est arrivé de par là. Que je me remette un peu dans le truc. On a bu un café hein, pour se remettre bien. Là, il y a évidemment le petit miroir pour s'upgrader. On ira y faire un tour plus tard. On n'a pas la nécessité là tout de suite. Elle est bien longue cette échelle. Elle est bien longue. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir là? Oh, il n'y a même pas un slip. Petit coup de botte. Allez là. C'est pour donner le ton quoi. Voilà, on arrive, c'est voilà. Bon, très bien. Excusez-moi, sur mon petit portable, je me mets le chat. Hein. Il y a encore énormément de commentaires. Les modos vont encore avoir un truc. Oh là là, j'ai le retour, j'ai le retour. Les modérateurs vont encore avoir un travail de fou ce soir. Je stream un peu plus tôt. Cette nuit, on s'est couché très tard. Hein. À 7h du matin, on a terminé la partie 21 hein, de Judgment. Ce doit être l'hôtel de ville. Lily, il faut que j'arrête ce type. Ouais. Tu me permets que j'explique ce que je faisais hier soir? Hein? Sébastien? Je regarde un petit peu comment c'est foutu. Donc, on se trouvait je ne sais pas où. On se trouvait là, hein, je pense. Voilà, c'était par ici. Union, voilà, on devait être par là-bas, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, on doit retrouver Lily, elle a été kidnappée par un serial killer, vous vous rendez compte? Ma fille, ma bataille. On va aller la sauver, ne vous inquiétez pas. Ah, une hache, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau munitions, on est comment? Bon, on a du flingue, on a du pompe, on a de l'arbalète. On n'a pas d'électrique, ok. Et que je fasse pas l'erreur de me healer. On a du bon. Et bien sûr, le sniper. Voilà, qui est quand même. Qu'on a upgradé. C'est magnifique. Je vais mettre le portable là. Ça. Je sais que je peux pas répondre à tous les messages. Quoi. Encore une séquence d'évasion? Viens peut-être de commencer. C'est lui. C'est lui. Bon, on n'a pas trop le choix. Bah, c'est déjà terminé. Qu'est pas ça, de caisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Chapitre 5. Dans la tente. Je suis pas sûr d'être prêt pour ça. Ouais, moi non plus. Il n'est plus question de faire demi-tour maintenant. Attends, j'ai quand même envie d'aller voir là. Je sais que c'est pas ce que le jeu me demande, mais bon. Allez, forcément une saloperie là. On peut pas passer là? Ah voilà, pardon. Non. Voilà. Avant toute chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je le comprends en même temps, moi depuis que je pense printemps, hein, comme notre président nous l'a suggéré, ma vie a changé.
Depuis que je porte un masque et que j'ai plus le droit de sortir à 18h, depuis que je reste chez moi ou que je ne sors que pour faire les courses et que je continue à penser printemps, ma vie a changé, j'ai une autre philosophie de vie, je comprends mieux les choses. Ça va mieux là, ça se passe beaucoup mieux. Je trouve qu'on vit une époque formidable, on a vraiment beaucoup de chance. Excusez-moi, je zone un peu. J'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'il y a, et puis surtout s'il y a des plantes. Parce que niveau healing, on a une grosse trousse de soins, mais. Mais that's all. Comme disaient les anglo-saxons. Ah voilà, j'ai bien fait. On a du petit fumigène, et on a un petit peu de cocaïne. Ce qui sera pas de trop de peu. Hein. Voilà, suite de l'aventure. C'est assez rigolo, hein, cette espèce d'arbre. Je ne sais pas si lui aussi pense printemps. En fait, ce n'est pas un arbre, c'est une espèce de protubérance qui a un œil de caméra. Voilà. En lien direct avec le serial killer qui a enlevé Lily. Oh là, dis donc. Alors oui, ça faisait partie un des mystères du jeu. À un moment donné, on s'est posé la question pourquoi il les entassait les uns sur les autres. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il a une photo plantée dans le crâne avec un couteau. Waiting for you. Ok, très bien. C'est ça, tu vas voir, connard. Photo de Sébastien Castellanos, pardon. Le ravisseur de Lily. Cette photo a dû être prise à l'extérieur de l'entrepôt. Ça est écrit, nous vous attendons. Donc il sait que j'arrive. On voit bien que c'est un ancien policier, hein. Il a le feeling. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On va passer? Vous allez voir, on va pas pouvoir passer pour une raison. Mon petit cœur. Ah. Je suis obligé de regarder. Quoi? Hôtel de ville d'Union. Ok. Donc on est à la mairie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bagarre tout de suite là? Bien impatient, hein. Voilà, c'est la bagarre. Tout de suite. Ouais, moi aussi j'avais envie de m'échapper. Bon bah, on va faire du mieux qu'on puisse. Bon, déjà, c'est le snipe hein, direct. Bonne chose. Non, toi tu ne mourras pas. Là où là. Caméra, j'aime pas trop. Hein. De balle. Et oh, oh. Move. Ah, j'ai plus d'endurance. Et ben c'était bon. Voilà une affaire rondement menée. Reste à terre. Tu croyais qu'on allait se chier dessus là, Joan? Hein, la nana dring là? Moi, je te refous dans ton puits. Hein. À coup de bottine. Bon, on a perdu toutes nos balles de pompe. Hein. Mais bon, on n'a pas perdu de vie, donc du coup, l'un dans l'autre, on a pas mal joué. J'ai pas bien exactement vu combien on avait gagné de gerbes d'or. Oui, en fait, on aurait pu la cramer là. Ouais, enfin, on y a été à la bourrin, quoi. On lui a même pas mis un petit coup de... Eh, dis donc. Un petit coup de hache. Pas de ça ici, hein. On va pas être copains, hein, si y en a qui ont ce genre de pensée, hein. On va pas être copains. Petit coup de hache. Pas de ça ici, hein. Ok, fusil à pompe, ça c'est pas mal.
Par contre, je me rends compte qu'il y a des trucs que je peux pas prendre parce que mon inventaire est full en fait. Donc il faudra qu'on upgrade ça. Hein. Le taux de. Bon, ça en même temps, c'est un truc fumigène, je veux dire, ça m'a. C'est un petit peu de la merde. 5 balles de flingue, on peut pas, on est au max. Ok. Ça, c'était un piège donc. On peut le désamorcer, faire quelque chose. Pas l'impression. Hein. Je me souviens que dans le premier, on pouvait ramasser des gears, enfin des pièces, de la ferraille quand on désamorçait un piège. Oui, en fait, on l'a tué alors qu'on avait une très très grande zone de combat. On l'a speedrunné. Allez, n'ayons pas peur des mots, on l'a speedrunné. Je suis même quasi certain qu'on ne doit pas être loin du world record. J'irai voir le world record, je suis pas certain que le mec ait fait mieux. Hein. Mais un obscur coréen. Joue pas terrible ces gens-là. C'est facile finalement. Bon, j'arrête de dire des conneries. Ok, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûr qu'il y avait d'autres trucs à ramasser, hein, parce que bon, c'est quand même qu'un jeu vidéo. Il nous donne toujours trop. Là, voilà, et là, il y a de la caisse, là. De la caisse, voilà. Pièce détachée. Ouais, parce qu'on a besoin de sauvegrader. Hein. Là, le boss était pas trop difficile, mais bon, ils seront pas tous pareils. Hein. Je te le dis comme je le pense. Ok. Bon, il y a un paquet de caisses, en fait. Ah bon, ça me plaît, hein, évidemment. On charge ça. Ah oui, on pouvait carrément l'enflammer et tout. On a peut-être perdu un peu des shotguns finalement, mais bon. On l'a speedrunné, voilà. Et puis là, tout ce qu'on a speedrunné, on est en train de le perdre à chercher un peu partout. On peut pas rentrer ici, oui. Il est mort. Ah oui, il a une animation comme si on se cachait, comme si on était toujours en train de combattre le monstre. En fait, on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire, quoi. Carreau explosif. Si elle est déclenchée, la tête de ce carreau d'arbalète explosera violemment en libérant des éclats dévastateurs dans sa zone d'effet. Restez à distance au moment de la détonation. Vous pouvez fabriquer des carreaux explosifs en combinant des clous et de la poudre à canon. Et on peut aussi la mettre comme ça en biais. Hein. Non, non, pas de prosélytisme religieux, Romain. On cache ça. Rappelez-vous, hein. Le catholicisme n'est pas une religion d'État. Hein. On est en c'est la laïcité. Hein. Alors vous me cachez vos croix, tout ça. Hein. Pas de ça ici. Hein. Donc j'ai un carreau explosif. Ce qui est rigolo, c'est qu'il était rouge, comme si j'avais pas le droit de l'avoir. Voilà. Ah bah parce qu'en fait c'est sa couleur. Il est rouge. Bon bah j'imagine que c'était pour le boss. Voilà, voilà, vous voyez l'animation là? C'est un petit peu idiot. En fait, on aurait dû le faire venir ici. C'est con qu'on puisse pas les récupérer. C'est des pièges. Bon, on progresse, on progresse. Bon, on a perdu des choses, puis on en a gagné. Voilà, c'est un résumé de la vie. Prime. Ah non, ça c'est un truc électrique, ça moi j'aime bien. Je l'ai upgradé, ça me plaît. Allez, l'hôtel de ville. Il est où le maire, là? Elle est où, Lily? Bon, le maire, j'ai pas voté pour toi, hein, évidemment. Vu la merde que c'est dans cette ville. Mais elle est où, Lily? Je te préviens, j'ai un shootgun. Hein. Qui est là? Tout va bien. Harrison, c'est ça? Je ne suis pas l'un d'eux. Oh, qui êtes-vous? Ne vous en faites pas. C'est O'Neill qui m'envoie. Je pensais qu'il restait plus que moi. Je cherche le noyau. Où est-elle? Elle est là? Premier étage, l'émetteur de champ stable. L'émetteur? On s'en fout de ça. Je cherche le noyau. Vous devez activer l'émetteur. Il stabilisera l'environnement. Sans ça, Union va complètement s'effondrer. Et le noyau n'aura plus aucune importance. Activez-le! Ça affectera son pouvoir. Son pouvoir? Vous voulez dire... Prenez ça. Utilisez-le pour activer l'émetteur. On en a déjà. Enfin, c'est gentil.
Mais on a déjà on a déjà la radio. Bon bah le pauvre homme, hein. Pensez pour lui. Communicateur d'Harrison. Miles Harrison. Bon, quand on retournera dans notre bureau, sa photo sera barrée. Hein. Alors, je préfère vous le dire et vous spoiler maintenant qu'il n'y ait pas un trop plein d'émotions au moment où on arrivera dans le bureau et que vous réalisiez qu'il est véritablement mort. Miles Harrison vous a donné ce communicateur avant de mourir. Apparemment, il peut servir à démarrer l'émetteur de champ stable. Un autre membre de l'équipe mort. J'aurais aimé avoir plus d'infos. Ne t'inquiète pas, Lily. Je te trouverai, quoi qu'il en coûte. Moi, j'aurais aimé le mieux le connaître. Il avait l'air charmant. First floor, ok, on est là en 30 secondes. Il y a second floor. Alors, ça, c'est les Anglais, hein. Quand on est au rez-de-chaussée, ils appellent ça le premier étage. Je veux bien, mais on n'est pas au premier étage vu qu'on est au rez-de-chaussée. Ça ne veut rien dire. Et deuxième étage, du coup, bah c'est quoi? Bah non, c'est le premier. Sinon, on n'appelle pas ça. Ouais, bon, d'accord, ils appellent ça floor, pas étage. Bon, j'ai tort, mais j'ai raison. Vous avez compris. Y a rien là, en dessous, là? Y a pas quelqu'un qui a perdu des billes? Oh, merci bien, madame. Putain, j'en ai 4 maintenant? Ou 3, ou. Ok, donc on. J'ai regardé le plan, puis du coup, j'ai rien regardé. J'ai pas reçu du courrier. Non, bon. Bon, le maire, il est où là? Lily! C'est suffit, Lily, maintenant, hein? De se cacher comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Bien envie de péter la vitrine. Peut pas. Pas. Si vous père était là, là, il pesterait parce qu'on ne puisse pas péter la vitrine. Mais qu'il y a du grain là. Oh là. Tu vois, c'est un parapluie comme ça qu'il m'aurait fallu pour mon fond vert. Et puis finalement, comme le bloc-notes a très très bien marché. Petite lumière blanche immaculée sur mon visage. Qui annihile le fond vert derrière moi. L'image est parfaite. Regardez en plus. J'avais les cheveux longs avant de streamer, et puis comme j'avais vu que c'était un peu la merde avec le fond vert, bon bah je me suis rasé la tête. Ma femme m'a quitté par contre. Faut savoir faire des choix, hein. Ma mère aussi m'a quitté. Faut savoir faire des choix. Perdu mon travail aussi. Savoir faire des choix. Ah, on peut aller faire le kéké en bas. Déjà, on va se. On améliore. J'ai combien? J'ai 80. 80, c'est que dalle. Hein. On le sait, on le sait, on le sait. On le sait que ça sert à rien. Cadence de tir, ça peut être bien pour le pompe. Parce que j'ai remarqué que. Il prenait un peu son temps. Hein. Et au niveau sniper. Capacité munitions, oui, voilà, le flingue, le flingue, le flingue. On fait ça. Ça fait déjà deux fois qu'on se fait avoir. Pardon. Excusez-moi. On va quand même fabriquer deux, trois saloperies. Fusil à pompe, s'il vous plaît. On en peut en faire 5. T'entends, balle de fusil. Non, non, balle de. Moi j'aime bien le balle de fusil de précision. Hein. On peut en faire 8? Oh là, attendez, 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 attendez. Faut qu'on réfléchisse. Déjà, carreau harponneur, on peut en faire 1. C'est le maximum qu'on puisse faire. Très bien. Qu'est-ce que j'aime en fait? Moi j'aime beaucoup. Je suis très shotgun. Hein. On peut en faire sur 7. Donc on va en faire 5. C'est pas la même poudre en fait? Si, 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 c'est la même. En fait, j'en ai beaucoup. On fait de la balle de précision. On peut en faire 8. Coup 42. Oui, donc il va me rester que dalle après pour le reste. Oh, mais c'est tellement bien. On va se faire deux. Je me fais un autre carreau électrique. Oh, carreau explosif, c'est quand même très très bien.
armée j'en ai, moi, des clous, là. Balle de précision. Allez, on en fait ça. Voilà. On va en faire 3, allez, hop. Voilà, après, maintenant, c'est fini. Carreau explosif, ça me plaît bien, hein. Je sens que contre les boss et tout, ça va être indispensable. Donc là, on pourrait aller faire le kéké en descendant. Bon, ok, il n'y a pas de carte. En descendant tout de suite. Allez, hop. Et sinon, il y avait autre chose. Voilà. Un nouveau meurtre, encore cet art abstrait. Il est ici quelque part. Avec l'ombre qui descend, voilà. Bon, ça marche très bien la première fois, la deuxième, la troisième déjà, c'est moins efficace. Et puis là, complètement, bon bah en plus, c'est toujours les mêmes postures. Bon. On a compris quoi. C'est comme dans Dead Space. Enfin, Dead Space ne fait pas cette erreur. C'est que bon. Bah, il passe à autre chose quoi. Il n'utilise jamais deux fois le même truc. Quoi. J'aurais peut-être mieux fait de descendre. Il y a peut-être une salle de loot. On tourne en rond là. Hein. J'ai l'impression. Hein. On a un truc à prendre là? Non. Toujours ce même tableau. Hein. On va quand même un petit peu innover. Ok, bon, voilà. En fait, c'est une petite salle. Je regarde vite fait, il n'y a rien qui brille. Allez, on y va. Il n'y a pas de temps. La suite se trouve, évidemment, pas ici. On va être obligé de descendre. Là, ok, bon, bah, ouais. Non, mais on a compris le délire du mail room, ok, salle du courrier. Il y a quelque chose à lire, un petit peu de lecture, ça faisait longtemps. Rapport d'étape, mesure d'extension suspendue, la conversion de la carte originale est primordiale. Aux fractures de surface et pertes du contrôle atmosphérique s'ajoute une simulation de lumière du jour compromise. Des contre-mesures à la défaillance du système ont été prises, mais nous recevons des rapports de problèmes jamais rencontrés jusque-là. Bah, dis donc. La mémoire des citoyens subit des réécritures. D'autres rapports indiquent des dysmorphies corporelles inexpliquées et des tendances violentes. Attendons directive. Ouais, en gros, c'est la merde. Autant pour moi. C'est la première fois que j'éternue en stream. Je le mettrai dans le best-of. On peut descendre plus vite, là? Oh là, j'ai eu peur de tomber. Enfin, je veux dire, complètement tomber. Allez, 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 on y va. Sébastien. C'est pas Sébastien Castellos ? Ou quoi ? Oh bah non. Oh, pff, ça sera la sortie ? Ok. Alors du coup, je vois pas par où passer. No sé, Sébastien Castellos. Comment se llama la señorita de la Banico va por el puente de Frescorillo. Sébastien, il faut aller où, Sébastien? Bon, bah écoutez, on n'a pas de carte en plus là, con. Ah non, on a rien du tout. On était censé la trouver, la carte. Bon, on retourne dans la salle là où ça a fait de la musique. Vraisemblablement, il y a du sang. Hein, c'est ça, là, c'est l'accueil. Allez, bon. Oui, voilà, bon, bah lui tombe, ok. Et un
un truc. J'ai loupé quelque chose d'essentiel. Hein. Ok, peut-être par ici, non? Malgré le fait que j'ai viré leur grain, là, le grain du filtre, ils en ont remis ici. Hein. J'en rajouterai à nouveau pour voir si ça fait une petite différence. Peut-être que ça peut faire cache-misère un petit peu. Le filtre, là, je l'ai mis à zéro, le grain. Bon. Par où Ah. Bon, je suis pas plus idiot qu'un autre. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit que j'étais pas plus idiot qu'un autre, donc normalement je devrais quand même trouver la sortie, quoi, non? Attends, ou alors je... Ah putain, il y a un escalier qui est là. Oh là là. Calmez-vous sur le chat, hein. J'ai vu là qu'il y a plein de messages là, d'insultes. S'il vous plaît. Hein. Un peu d'indulgence, hein. C'était Noël il y a pas longtemps. Continuez à penser printemps et esprit Noël, s'il vous plaît. Bon, t'es où? T'es où le serial killer là? T'es où Lily? Qu'est-ce que t'as foutu de ma Lily? T'as pas honte là de prendre les gosses des autres? Sans demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, encore du petit Mathéos de... Petit Mathéos. Ok, de photographe, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah tu vas pas te demander... Cet appareil est si vieux. Ça doit vouloir dire quelque chose. Bah ça doit vouloir dire que c'est un appareil qui est vieux, hein, Sébastien. Tu sais, des fois, parfois, faut pas chercher non plus à tout comprendre. Ok, prendre une photo avec R2. R2 prend la photo. Et R1, c'est quoi? C'est. C'était censé me faire peur, ça? Rien. Je rate forcément quelque chose. Oui, bah, laisse-moi de. Je rate rien du tout, je suis en train de régler comme ça. La même robe. La même robe que quoi? De toute façon, il y a trois positions. Il y a ça, ça, il y en a trois. C'est tout? Non, il y a un truc que j'ai merdé. Donc c'est elle. Avec la fleur. Ah oui, d'accord. Faut peut-être prendre la fleur. Ah, ok. Ces fleurs sont magnifiques. Ça me rappelle The Witcher. Dans le DLC où il fallait refaire la peinture. Ces fleurs sont magnifiques. Parce que je l'ai fait sur Switch. Ces fleurs sont magnifiques, mais elles ont quelque chose d'étrange. Vous devrez redoubler d'attention avec ces épines. Ah ouais, en fait, là, c'est le jeu qui me parle. Des fois, c'est moi qui me cause. Et puis bon. On va faire comme si on n'avait pas compris. Pas qu'on n'avait pas noté. Ok, collier d'émeraude. Ok, on a un collier d'émeraude, on a des fleurs. Est-ce qu'elle a un collier d'émeraude? Oui. Est-ce qu'elle a des fleurs? Oui. Bon, faut faire la même photo, quoi. Alors déjà, ça, faut peut-être le tourner. Bah voilà. Ah, faire pivoter. Allez. Voilà. Elle a l'air bien, là, comme ça. Elle est comme ça ou elle est un peu plus? Non, elle est vraiment, vraiment, elle est vraiment tournée. Hein. Vous permettez? Non, pardon. Voilà, on vous voit bien. Et là, on va foutre les fleurs. Voilà, on a l'air bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Bon, lui rayer la tronche, on peut pas le faire. Hein. C'est pas par faute d'envie, mais il n'y a pas de tête. Ok, bon, bah là, du coup. Ça va être tout simple. Hein. Voilà. Voilà. C'est à ce moment-là que quand, il y a 3 ans, j'ai fait le jeu, je me suis dit, bon,
On est quand même bien en deçà de du premier Evil Within, quoi. Une maison. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a l'horloge. Les secondes s'égrènent, mais le pendule s'est arrêté. Mais c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même un manque d'imagination et de talent et de... Ah, prendre. Alors, on a trouvé un dossier, qu'est-ce que c'est? Article du Grimson Post, un article, une coupure du journal donc. Un nouveau cadavre décapité découvert. D'après la PKC, le corps d'une femme a été découvert ce matin dans le parc de la ville. La victime identifiée est Emily Lewis, une jeune mannequin et actrice. Sa tête n'a pas encore été retrouvée. Mais un examen de ses effets personnels sur la scène du crime a permis son identification. Il s'agit du... Voilà. Il s'agit du dernier d'une longue série d'homicides de nature similaire. Le lieutenant James Van Kirk de la brigade criminelle a confirmé nos pires soupçons lors d'une conférence de presse. Crimson City pourrait être le terrain de chasse d'un tueur en série. L'ami de longue date d'Emily et photographe Stefano Valentini s'est exprimé aux infos. Il est arrivé une chose horrible à mon adorable mannequin. C'est lui. J'aurais pu au moins capturer son essence à tout jamais avant qu'elle ne soit réduite à néant. Voilà. Là, les flics ne se posent pas des questions avec cette déclaration-là. Je me souviens de cette affaire. Toujours pas classée. Ouais, donc c'est Valentini. Hein. Appreciate the art. Oui, ouais, on va essayer d'apprécier ton art. Pas mal fait ça par contre hein. La texture apprécier ouais. L'art très bien, du moment que ça me rapproche de toi je jouerai à ton jeu. Là on va se retourner tout aura changé derrière. Non. Ok, là on ne peut pas, un petit cadenas voilà évidemment. Évidemment, bien entendu, bravo. Innocent gift. What's up? Voilà, là maintenant ça a changé. Examinez quoi? Mais qui a bien pu inventer ça? Bah, on le sait, c'est le sueur en série. Et même moi j'arrive à le comprendre, alors. Et je suis pas policier. Je l'ai été, hein, je vous l'ai dit. Pendant 5 ans j'étais réserviste à la police nationale, mais moi j'étais pas policier, j'étais un mercenaire. J'ai travaillé 5 ans pour la préfecture de police. Mon statut, c'était collaborateur du service public. Vous comprenez? J'étais collabo, quoi. Pour ça qu'on m'a rasé la tête. Ouais, 5 ans collaborateur du service public, préfecture de police de Paris. Je vais me confesser un petit peu ce soir. J'étais content d'arrêter. Hein. Travaille dans plusieurs commissariats. Oup, 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 oup. J'ai envie d'arrêter. Hein. Je suis encore sous le droit de réserve, mais plus de trop. Bon. Bon, et comment on se barre? T'es en train de raconter ma vie là, ça n'intéresse personne. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver Lily. Bon, faut qu'on retourne là-bas. Pas clair? Non. Aucune porte s'ouvre, alors bon. Voilà, ça y est, je me souviens pourquoi le jeu m'avait un petit peu agacé. Bon, il faut peut-être que je zieute encore quelques tableaux. Ouais, voilà. En fait, tout est scripté, quoi. Tout est scripté. Là, maintenant, sa tête, c'est une fleur. C'est marqué bouquet en français. Très bien. C'est le côté classe de la langue française, j'imagine. Là, voilà. On va allumer tous les tableaux. Oui, c'est pas inspiré, voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois, j'entends que l'horloge tourne. Et... Attends, je vais voir le dernier tableau quand même. S'il y en a un. Non, il n'y en a pas. Ok. Ouais, c'était ça en fait. Fallait un petit peu regarder autour de soi. Mais bon, c'est tellement scripté là. Et puis ça fonctionne pas en fait. Ça fait pas peur. Ça fait pas... C'est Lily.
C'est sûr que j'ai eu. Joue avec moi. La porte, ça. Ouais. C'est un fantôme, quoi. Oh là là là, et oh. C'est pas vous qui remettez les tableaux après, hein. Là, je suis au casque. Bon, il y a quand même la petite atmosphère qui fonctionne. Hein. Là, je suis un peu dedans quand même. Donc là, sur la photo, on a une espèce de porte. Ok. Donc, quand on va se retourner... Ici est parfaite. Normal. C'est mon œuvre, après tout. L'avoir préservé sur nitrate d'argent. Comme un insecte dans l'ambre. Okay, le mec s'auto-congratule comme tous les dingos. Oui, oui, le serial killer est très, très, très caricatural. Hein. Il a pas de. Ok. C'est con parce que ça aurait pu être bien, quoi. Mais c'est mal écrit, c'est pas. Ah, ok, la porte est ouverte maintenant. Ok, donc là maintenant, on a la. On a sa petite amie qui est partout. Petit mannequin. Les mannequins, c'est toujours assez efficace. Hein. Ça fout les jetons. Vous vous souviendrez toujours du jeu Condemned, le premier. Je sais pas si vous l'avez fait. Et on est dans une pièce. Il y a plein de mannequins, évidemment. Et on se retourne et ils sont tous alignés derrière nous. Un peu comme à ce qu'a fait Resident Evil 7 il y a peu. Et ça, ça m'a vraiment foutu les jetons à l'époque. Hein. Sur PS3, bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait moins bien. Mais à l'époque, je me souviens, j'avançais, j'avais jamais vu ça. Je tourne la caméra et ils étaient tous alignés à quoi, 20 cm de ma tronche. Parce que c'est un jeu à la FPS. Ça, je m'en souviens encore. Quoi. Ça m'avait bien marqué, j'ai trouvé ça très très bon. Puis depuis, bon, bah, ça a été repris un peu par tout le monde. Mais bon, c'est le premier condamné où j'ai vu des mannequins qui foutaient les jetons. Ok, donc on a 20 pièces détachées en plus, donc ça nous en fait 30. Bon, on avance là un petit peu. Encore une photo là, c'est quoi? C'est une diapo, c'est... Non. Encore une photo. On en a 1000 des photos comme ça. Hein. On va les revendre sur eBay, on va faire... photo du cadavre d'un opérateur de Mobus. Bah oui, mais bon, on le sait qu'ils sont morts. L'agent de Mobus dans l'entrée de l'hôtel de ville a une autre sculpture gelée, pauvre type. S'il n'était pas déjà mort avant d'être jeté là-dedans, il le sera à l'arrivée. Oui, ok. Et on la retourne, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois on peut la retourner, encore, mais il y a rien. Une... Mais qu'est-ce qu'il cherche? Mais ça c'est idiot de dire qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche rien, il tue, c'est un serial killer. Et tu t'as compris qu'on était dans un. Dans le STEM et que tout partait en couille. Il cherche juste à se faire plaisir. C'est un artiste. Bon, bah on retourne sur nos pas. Imagine. Bon, c'est par contre ce qui est très agréable, c'est que depuis le temps où j'ai. Où, bah depuis 3 ans, j'ai changé de télé là, et c'est vrai que là. Sur une OLED. Ah, il est là. Les noirs là sont parfaits là de mon côté. C'est vrai que ça envoie. Le jeu est encore très très bien. 4 ans après. Dis donc, quand on a des invités, on fait pas ça. Hein, on... c'est quoi ces manières là de, de fermer la porte? Oh là là là. Bon, ça fonctionne aussi. Hein. Moi je l'ai eu en gros là. Puis, je sais pas, la photo est pas mal avec l'œil. C'est assez artistique. C'est le genre de choses que je pourrais partager sur mon Instagram. Si vous avez Instagram. Vous pouvez me rajouter, c'est Romain R. Martin tout attaché. Romain R. Martin. J'aime bien partager des choses comme ça. Puis j'ai pas beaucoup d'amis, alors n'hésitez pas. Je me sens très seul. Alors. C'est vrai
elle me sent très seule. Non, ça va. Mais rajoutez-moi quand même. Parce que bon, des fois c'est quand même compliqué. Parfois c'est compliqué quand même. Bon, il va se passer quoi là? Oh, Lily? Ah ça y est, il y a le collier, il y a les fleurs, et il y a la tête. Bon, là je sens le jump scare. On peut même pas sortir son arme. Hein. On est complètement à la merci du jump scare. On peut même pas. Putain, si j'éteins la torchlight, c'est fini, il y a plus de jeu. Mais je peux rien faire. Quatre fois qu'il me prend en photo, c'est pas lui là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bon, ça aurait pu fonctionner. Il faut que j'utilise la bonne. Hein. Voilà, ça c'est l'électrique, elle va me mettre indispensable, je pense. Bon, ils sont quand même assez nombreux. Ah! Ça sert à quelque chose, mais j'aime bien le faire parce que de peur qu'ils se réaniment tous, voyez-vous. Puis je sais pas, ils ont manœuvré la vibration. Il y a un côté très très agréable à détruire toute cette merde d'as. Je sais pas, ça c'est. Ça c'est quelque chose qu'il faudra étudier. Pourquoi on aime détruire? Pourquoi on aime appuyer sur répéter? Mais il y en a un paquet. On va pouvoir tous le faire là. Je vais perdre mon public. Là je suis en train de perdre mon public. Voilà, voilà, j'ai perdu déjà 10 000 followers là. Enfin de gens en ligne là, qui me suivent sur Twitch. C'est bientôt fini. Bon, on sera plein. C'est quand même intriguant. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à continuer à aller latter? Là la lumière est rouge, le fond vert même pas trop. Quand même curieuse histoire. Curieux. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça là? Pourquoi il faut que je les tue tous et que je peux pas en démordre? Je peux pas m'échapper de cette spirale infernale. Ah, il y en a toujours un. Voilà, c'est le dernier là, je crois. Ah putain, il y en a encore deux. Ah. J'espère que c'était pas des gens gentils à la base. Il m'était en train de montrer quelque chose avec son doigt. On va regarder. Il montrait quoi? Il montrait rien du tout. Bon, j'ai. Bon, il faudra étudier ça un jour. Pourquoi on aime, pourquoi les jeux vidéo on aime tirer sur les autres? Pourquoi la destruction? Pourquoi la mort? Note manuscrite, griffonné à latte sur une carte plutôt élégante. Alors genre, lui, dans ces conditions-là, il trouve une carte, mais il a quand même la pensée de se dire, tiens, elle est quand même élégante, cette petite carte. Elle était trop belle pour les laisser dans la rue. Elles étaient trop belles pour les laisser dans la rue. Je devais les exposer. J'aurais aimé en tirer une certaine reconnaissance, mais je suis content de ne pas être le seul artiste ici. Quoi, il y en a d'autres des comme toi? On a pratiquement trop... Mais il y en a toujours un qui pop, ou c'est moi qui suis? Eh oh! J'espère qu'il va pas le prendre mal, que j'ai complètement tout baisé son travail. Ça servait à rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le jeu, là mon fond vert n'aime pas du tout la lumière rouge, hein, évidemment. Sympathique ici. Allez. Chez moi c'est très sombre et j'ai peur que chez vous, du coup sur la capture, ça soit encore beaucoup plus sombre. Je vais peut-être mettre un tout petit coup
de Light. Gamma. Je vais mettre un tout petit peu plus pour que ça soit plus agréable chez vous. Parce que j'ai peur que ce soit très sombre. Souvent c'est beaucoup plus sombre. Bah, on est retourné là, on est retourné sur les lieux. Là, le truc est tombé. Maintenant c'est bon, bon voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Faut qu'on repasse par là. Ouais, bon il y a des munitions donc le fight quoi. Il veut pas que je les prenne, je suis full. Fusil à pompe. Bon, ça sent le combat. Moi, je vais te régler ça vite fait au sniper. Ce doit être l'émetteur. Bon. Déjà, on va prendre ça. Je suis plein. Hein. Autorisation requise. Veuillez vous connecter depuis un terminal autorisé. Oh, il est autorisé celui-ci. Un terminal. Sûrement ce communicateur. Ah. Séquence de redémarrage initialisée. Ah ouais, on a 90 secondes et puis il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on patiente. Voilà, puis il va y avoir une espèce de monstre. Il va falloir faire tourner en bruit pendant 90 secondes, non, c'est pas ça. Vous me cherchez depuis si longtemps. Oui. Alors, je suis venu. Attendez. Ce n'est pas moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Non. C'est Lily. C'est la fille. Ma fille. Ça n'est presque offensant. Mais comment pourrais-je vous en vouloir? Vous n'êtes pas la seule personne à chercher son pouvoir. Il y a quelqu'un d'autre qui le mérite bien plus que les autres. Quelqu'un qui peut offrir des récompenses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Charlie Oleg. Désolé, votre offre est refusée. La peur. Bah t'es un serial killer ou pas? Irradier la peur. Bâtard. C'est magnifique. Mais ce n'est pas encore terminé. Je suis Stefano. Et désormais, vous êtes mon œuvre d'art. Espèce de taille! Ok. Oh, je me souviens que c'était pas à ma belle Obscura. Séquence de redémarrage initialisée, 90 secondes avant réactivation. Cette chose empêche l'émetteur de s'activer. Elle est où? Avant réactivation.
Elle est où? Ce qui serait con, c'est de crever maintenant. Donc je propose qu'on se mette la vie là. T'es où? Pourriture. Mémorable. Procédure de stabilisation terminée. Super. J'ai sauvé ma peau. Mais je fais quoi maintenant? Il a sûrement pas laissé Lily ici en partant. Où est-ce qu'il l'a emmenée? Je ferais bien de tenir Kidman informé. Bon, ça, ça sent le coup de radio. Merde. Je capterai peut-être mieux dehors. Bon, ça, tu nous l'as déjà fait, ça. Bon. Bon, encore une fois, on s'est chargé du shotgun, mais bon, ça a été très efficace. Hein. Vu que la dispersion est très bonne, ça permet de toucher l'œil sans en faire trop. Je regarde, là, il y a forcément deux, trois petites saloperies qu'on n'a pas dû prendre. On va pas se healer, parce que bon, c'est bien que... On va retomber sur une cachette. Bon, je crois qu'il y avait juste des balles de flingue là qu'on n'a pas pu prendre. Non! Je dis ça et je l'ai foutu là. Mais quel... Putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette histoire. Hein. Allez, on se casse. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc activé parce que c'est pas le coup de repartir et de revenir pour rien. Non, ok, c'est bon. On s'est healé pour rien, hein, c'est... Là, j'allais encore le faire. Hein. Mais bon, c'est bon, là, j'ai mis le flingue. Faut que vraiment faire attention à où on met le heal. Tiens, voilà. Là, il y a une plante. Bon, ça, c'est fermé. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? J'ai pas suivi. Sortez de l'hôtel de ville, voilà, pardon. Autant pour moi. Hein. Et là, on a de la petite. On a de la poudre. Et un petit peu du fusible. Ok. Je pense qu'on aurait pu complètement bête la bestiole avec des carreaux. Pas ceux-là, mais les explosifs. J'ose pas encore les utiliser. J'aurais pu. Hein. Bon. Ah, un autre dossier. C'est toujours un plaisir de les lire. Hein. Entretien sociétal d'Union. Entretien d'une façade sociétale. On va le lire vite. Afin de maintenir la population dans un état pacifique et obéissant, nous devons lui fournir des systèmes bureaucratiques et renforcer l'illusion de productivité. À cet effet. Un hôtel de ville représentant le cœur décisionnaire sera conçu. Chaque citoyen devra passer une série de permis nécessitant plusieurs formulaires et timbres fiscaux contenus à déterminer. Développement actuel au sein de l'équipe de fabrication. Une élection municipale sera organisée pour laquelle chaque citoyen pourra voter pour l'un des deux opérateurs proposés par nos soins, à l'image des élections du monde réel déjà en place.
Les rendus photoréalistes de l'extension New Union suivront une architecture typiquement américaine à hauteur de 70% afin de permettre aux citoyens d'améliorer et de personnaliser leurs habitations. Ces nouvelles mesures devraient favoriser le calme et la standardisation de la population. Une population docile permettra l'extension d'Union qui conduira à un nombre d'unités de mémoire citoyenne suffisante pour réaliser la phase 2. Ok. Là, je retourne sur mes pas. Allez. Davai, on se casse. Je sais plus où est la sortie. C'est un jeu où tout se ressemble. Malheureusement. On est quand même dans Evil Within, quoi. Merde. Eh ben non. Il ouvre ce putain d'escalier. Et puis, évidemment, il n'y a pas de plan. Voilà. Il doit être par là. Par où on est monté? Il est où l'escalier? Putain. Allez, la porte principale. Bon bah c'est pas là hein. Non, c'est à gauche là. Regarde s'il n'y a pas un truc à choper. Non. Ça souvent on peut les ouvrir. Voilà. Ah oui, mais bon. On peut les ouvrir mais c'est tout. Oui, ça s'est fermé. Oh, et oh! Par où on se casse? C'est là? Oui, vraisemblablement, vu qu'il y a une petite herbe. Mais non, c'est fermé. Et puis, il y a une... Pourtant, il y a un truc pour se healer, là. Bon. On tourne par là, puis on va à droite. Putain, vous me faites chier. Ah non, on peut pas y aller à droite. Oh là 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 là. Et ces tuyaux là, ils vont où? Ça va quoi? Non, mais on a fait le tour là, ici, on a plus besoin d'y être. On perd un temps fou, j'en suis désolé. J'en suis désolé. Je sais pas par où aller. On peut sortir nulle part. Tout est fermé. Regardez, c'est fermé. Putain, je suis pas complètement con quand même. Pas à ce point. Là, c'est fermé, bon, ok. Celui-là, on l'a pas essayé, cette porte. Mais si, on l'a essayé trois fois. Elle est fermée. De toute façon, j'ai même pas besoin d'essayer, il y a le cadenas qui s'affiche. Et on va faire celle-là. Ça se trouve, il y a un truc qui est tout juste... À... Bon, ça, on vient de le prendre. Et là, c'est fermé aussi. Ah non, c'est ouvrir. Oui, ben on retourne ici. Voilà. Ça, c'est bien. Oui, d'accord, on est de l'autre côté. Et voilà, là, voilà. Oh là là. Mais tout se ressemble. Vraiment, J'arrive pas à croire que ces enfoirés aient utilisé Lily comme rat de laboratoire. Et qu'après ça, ils aient le culot de me demander à moi de nettoyer leur bordel. Ah bah enfin. Parle d'une blague pourrie. Ah bah enfin, ils se rendent compte du truc, c'est ce que je lui reproche depuis le début du jeu. Ils ont pris ta fille, oui. C'est complètement impossible, tu devrais les envoyer chier et... leur foutre une bastos et puis y aller dans le STEM. Mais je comprends même pas comment t'arrives à leur parler. Ce serait ma gosse... Ça se passerait pas comme ça. Je ferais mieux de vous dire que ça se passerait pas comme ça. En plus, là, je vais devenir jeune papa. Je sais déjà que ça, j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Bon, je veux bien, mais là, tout se ressemble. Ah, bah tiens, j'ai bien fait de me paumer. Parce que moi, ça me permet d'avoir une petite clé. Ok, un truc qu'il faudra améliorer, hein, c'est quand même le nombre de munitions, tout ça. Hein. Vous voyez bien que tout se ressemble, quoi. C'est vraiment complètement générique. On peut se paumer, quoi. Et tout à l'heure, on l'avait pas pris le tuyau. Et là, il va toujours me dire qu'on peut pas aller par là.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai combien? Bon, j'en ai que 20, alors comme ça c'est réglé, on peut rien faire. Trousse. Bah, on peut attendre pour faire une grande. Maintenant, on peut en avoir qu'une. Allez hop, on se refait un truc. Les carreaux électriques, c'est quand même drôlement bien, hein. Moi j'aime bien. On a quoi? On en a 10. Non, fusil à pompe. On peut en faire que 2. Bon, on en fait 2. Je suis très fusil pompe, moi. Très fusil à pompe. Bah, je serais tenté de recommencer là, mais alors pourquoi ils auraient mis un escalier si ça... Ça serait pour plus tard quand on ressortirait là. Enfin, je suis désolé, hein. On perd du temps, mais c'est le jeu non plus qui est pas très. Oui, c'est toujours la même chose. On peut pas. Ok. Donc on repasse par l'entrée principale. Je sais pas, c'est. Oui, à un moment donné, ils vont nous la faire à la Dark Souls. Genre, on est censé être surpris d'arriver là, mais bon, comme ça fait déjà 2 fois qu'on essaye d'y passer, on sera pas surpris quoi. Allez, on se casse. En essayant de comprendre où il a sorti, parce que là vraiment sans carte. Ok. Vraiment tout se ressemble. Putain. Alors, je sais pas si pour vous ça se trouve c'est moi qui suis complètement con, mais. Peut-être que vous vous dites, bah non, la sortie elle est là évidemment. Moi qui ai trop les yeux collés sur la télé, je comprends que dalle, mais. Bon, c'est là. C'est marqué quoi? Oh. Putain. C'est une plaisanterie quoi. Comment on se casse? M'agace là. Hein. C'est 2 fois que je passe par là. Putain, on a perdu 20 minutes à essayer de comprendre comment on sort. C'est l'entrée ça? Oui. La seule différence qu'il fait, c'est que là il y a un peu un bureau et puis il y a ces petites cordelettes rouges. Mais alors sinon, mais tout se ressemble quoi. Merde, on est dans un survival horror. Le coup du manoir là, même sur GameCube, le premier Resident Evil, il était magnifique, toutes les pièces étaient différentes. Ils sont même pas foutus de faire deux. Bon, je me calme. Ce connard a toujours Lily. Me calme. Et me voilà de retour à la case départ. Prendre un peu de nicotine, ça va. Mais... Contact avec le marqueur rétabli, agent Kidman. Il était temps. Mettez-le en ligne. Sébastien. Sébastien, vous êtes là? Oui. Kidman. Enfin. Est-ce que ça va? Oui. Ce psychopathe court toujours dans la nature. J'ai activé l'émetteur. Ça a semblé le ralentir un peu. Et il s'est échappé. Et il a toujours Lily. Elle doit être morte de peur et se sentir si seule. Ah bah là, elle est traumatisée, oui, là, je te confirme. Il faut que je la trouve avant que quelque chose de terrible lui arrive. Ah bah c'est trop tard. Tu vas la retrouver, hein, mais... La chose terrible, elle est arrivée. T'auras beau mettre du petit piano... Je suis tout prêt. J'en suis sûr. Je suis pas psychologue, mais... Autant la trouver que vous, Sébastien. Je suis pas pédiatre, mais... C'est foutu. Ouais. Bien sûr. Vous ne voudriez pas que votre précieuse expérience échoue. Ce serait une véritable tragédie que tout ce temps et cet argent soient gâchés. Je parlais pour moi. Pas pour Mobius. Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps avec Lily pendant les tests. C'est une brave petite. Je ne veux pas qu'elle souffre. Oh bah oui, t'es... genre tu l'aimes bien, t'es gentille. Je sais que les choses se présentent mal. Mais je crois en vous. Oui, t'es une philanthrope. Vous devez rester concentré pour que nous puissions la sauver. Ensemble. Oui. Vous avez raison. Merci pour les encouragements. N'en parlons plus.
Pour l'instant, vous devez découvrir où il en est. Il a dit qu'il s'appelait Stefano. 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 Bien reçu. On va faire des recherches. Je vais voir ce que je trouve et je vous l'enverrai dans votre salle. Ok. Pendant ce temps, je vais aller voir O'Neill. Il peut peut-être m'aider à localiser ce cinglé. Bonne idée. Contactez-moi si je peux vous aider. Et... Sébastien ? Oui ? Oui. Vous m'aimez ? Bonne chance. Ah. Bon, c'est déjà mieux que rien. Merci. Kidman. Il faut que je découvre où il en est. Ok. J'ai peut-être bien trouvé. Il se cache même pas. C'est comme s'il me provoquait. En tout cas, s'il veut la guerre, il l'aura. Il faut seulement que je trouve comment aller là-bas. Qu'est-ce que c'est mal écrit, hein ? S'il veut la guerre, il l'aura. O'Neill, c'est moi. Je vois que l'émetteur de champ stable est réactivé. Bon, dites-moi que vous avez trouvé le noyau et que vous êtes en chemin. Non. Ce cinglé est là toujours. Mais je crois savoir où il est allé. Ouais, je le vois aussi. Je reçois à nouveau son signal. Il provient du théâtre à un autre endroit de la ville. Bon. Je repars pour la moelle, je suppose. Je vais avoir besoin d'être guidé un peu. Ok, je regarde ça. Apparemment, certains passages ont été stabilisés par l'émetteur. La sortie des cinq semble la plus proche du théâtre. Je sais pas sur quoi vous risquez de tomber là-bas, alors faites attention. Au point où j'en suis, plus rien ne pourrait me surprendre. Ok, on arrive au chapitre 6. Terrain de chasse. Non, c'est pas une petite fleur. Oui, c'est bien ça, faut qu'on... Ok. Alors, je me souviens pareil, hein, je crois que le théâtre, c'était pas fameux non plus. Hein. Et hop, là on fait la descente rapido. Ok, nickel. On va se prendre un petit coup de café. Et puis on va se laisser là, hein. Je sais pas combien de temps je stream là. Mais bon, on a fait un chapitre. Bon, c'était un petit peu fastidieux hein, pour sortir. On a perdu un peu de temps. Il y a eu un boss fight qui était pas fameux. Mais bon, ça reste un jeu. Bon, voilà, je l'ai payé 12€. C'est pas du tout à la hauteur de Evil Within 1er, ça c'est clair et net. Mais tout le côté monde ouvert fonctionne. Là, ce qui vient de se dérouler là dans cette espèce dans l'hôtel de ville, bon, c'était vraiment très 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 moyen quoi. Ça ne fonctionne pas quoi. Ça ne fait pas peur. Bon. Mais bon, on continue. On va continuer jusqu'au bout ce walkthrough. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis pour la partie 26. Et puis j'essaierai d'être de meilleure humeur. Hein, je vais essayer de prendre sur moi. C'est important. C'est important. Je vous embrasse.